Il est 14h03, on va démarrer. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, messieurs les invités, chers publics. Et on va parler de label ou d'autorégulation. Et je vous propose tout de suite que nos débatteurs se présentent eux-mêmes. Vous nous dites qui vous êtes et ce que vous représentez, qui vous représentez. Je commence. Oui. Bonjour, je suis Benjamin Sabat, je travaille pour un média anglophone en ligne qui s'appelle OneCrunch. En deux mots, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit la grande presse internationale et des plus petits titres de qualité en anglais pour une audience internationale. Et en fait, si je suis là, c'est aussi parce qu'à côté de notre média, on a un projet qui est supporté par l'Union Européenne, dont je vais vous parler un peu plus avant tout à l'heure, qui s'appelle Pixty, qui est une plateforme de certification des images. Donc Pix, vous l'aurez compris pour l'image, et Pixty for Trust. Voilà. Bonjour, je suis Catherine Grosset, je suis la présidente du CDJM, qui est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui est un organe d'autorégulation qui a été créé il y a 3 ans maintenant. Bonjour, je suis Pascal Doucet-Bon, je suis directeur délégué de l'information de France Télévisions, et je suis en charge de conseil stratégique, mais surtout de déontologie, ce qui m'amène à débattre aujourd'hui. Bonjour, moi je suis Thibaut Brutin, je suis l'adjoint du directeur général de Reporters sans frontières, qui est une association qui défend la liberté de la presse, et dont on va découvrir, je pense, qu'elle fait aussi d'autres choses, et notamment elle s'implique sur les questions de soutenabilité des médias, et a développé avec d'autres partenaires une norme, la Journalism Trust Initiative. JTI ou JTI, comme vous. Comme vous voulez, l'important c'est que vous l'adoptiez. D'accord. Et on va poser le débat tout de suite en vous faisant parler tous les deux. Qu'est-ce qui a présidé à la création du Conseil de déontologie journalistique et de la médiation, CDJM? Qu'est-ce qui a présidé à votre label chez RSS? Kathleen? Alors le CDJM, donc, comme je vous disais, a été lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, le 2 décembre 2019, mais ça fait suite à près de 15 ans de discussion. Ça a commencé par la création d'une première association qui s'appelait l'APCP, qui avait été créée par Yves Agnès, Jean-Luc Martin-Lagardette et d'autres. La APCP, Association pour la préfiguration d'un conseil de presse. Au bout de quelques années, la PCP s'est transformée en ODI, l'Observatoire de la déontologie de l'information. Et tous les ans, on publiait un livre blanc qu'on présentait d'ailleurs ici aux Assises, en pointant les dérives de l'information. Et puis au bout de quelques années, les livres blancs, il faut un peu se renouveler. Donc on s'est dit qu'il était temps maintenant de franchir le pas. Et on a discuté à nouveau entre nous, on s'est réunis à nouveau un certain nombre de fois et on a lancé donc le CDJM en fin 2019 c'est donc une association tripartite qui regroupe des éditeurs de presse, des agents de presse, des journalistes et des représentants du public. Et alors quel champ de compétences vous donnez? Comment ça fonctionne? Alors c'est le champ de compétences, ça va être tous les faits journalistiques publiés. Parce que ce que nous nous intéressons, c'est à l'information publiée. Donc c'est a posteriori et pas a priori de l'information. N'importe qui peut nous saisir, il suffit d'avoir plus de 16 ans et d'être capable de lire sur le site internet. Si vous voyez un article dans un article ou si vous écoutez une émission de radio ou une émission de télévision, et vous avez l'impression qu'il y a une faute déontologique qui a été faite, vous pouvez nous saisir. Et à ce moment-là, on étudie la saisie. Si elle est recevable suivant nos critères d'admissibilité, à ce moment-là, elle va être étudiée par 3 personnes du conseil d'administration, un de chaque collège. Encore une fois, on est tripartite. Et puis ensuite, nous discuterons en conseil d'administration de cette saisie qui sera présentée par ce qu'on appelle donc la triplette, ces trois membres. Et puis on va rendre notre avis. Encore une fois, le fait de recevoir, d'accepter une saisine, de la déclarer recevable, ne veut pas dire qu'elle est fondée, puisque c'est finalement la discussion que nous allons avoir qui nous permettra d'émettre cet avis, que si la saisine est fondée, non fondée ou partiellement fondée, c'est quand il y a eu plusieurs griefs. Et pour faire ça, on écrit bien entendu aux médias concernés
en lui disant, voilà, on a été saisi par telle personne qui nous dit que ceci, ceci, cela. C'est à vous maintenant, vous pouvez répondre, donnez-nous vos arguments pour qu'on puisse juste nous éclairer et rendre notre avis. Et alors là, c'est là où j'insiste vraiment beaucoup, c'est que c'est important que les médias nous répondent, parce que de toute façon, notre avis, on va le rendre. Donc autant avoir le maximum d'arguments, de façon à ce que nous puissions rendre un avis qui ne soit pas uniquement fondé sur ce que l'on voit et les arguments du requérant, plus effectivement l'analyse que l'on a pu faire, mais aussi les arguments du média et du journaliste, si le veut. Un grand nombre de médias, d'ailleurs, nous répondent. Donc, CDJM, organisme d'autorégulation, on va demander à Thibaut Boutin donc de nous exposer ce que c'est que la démarche de RSF, la démarche de ce label. Alors, c'est aussi une démarche d'autorégulation, cette démarche qui est celle de RSF quand on s'est engagé dans l'élaboration de ce référentiel. Alors, là, on parle de certification, d'autorégulation. L'approche de GTI ou de JPI, c'est une approche de normalisation à l'origine, c'est-à-dire que vous créez une norme, comme une norme ISO. Vous voyez, par exemple, si vous êtes assis sur une chaise qui passe bien avec la table qui est en face de vous, etc., c'est parce qu'il y a des normes internationales qui ont été établies qui disent à quelle hauteur doit être la chaise. Donc, à l'origine, la normalisation, c'est quelque chose qui fonctionne pour permettre la meilleure circulation et les meilleurs standards dans les produits. Et puis, depuis une quinzaine d'années, la normalisation, et bien un peu plus maintenant, s'est étendue au processus. Et c'est vrai que si on regarde le journalisme, c'est au fond une activité processuelle. Évidemment, le contenu est un produit, mais le processus, c'est ce qui garantit au fond les éléments les plus essentiels de la qualité du journalisme. Donc on a réuni les parties prenantes dans ce processus de normalisation pour se mettre d'accord sur ce qui nous semblait. Qu'on soit des praticiens, des représentants du public, des médias télé, radio, etc. Donc on a pris une grande diversité de parties prenantes et il y a eu un accord qui a été passé, un workshop agreement, ça s'appelle techniquement. C'était quand ? C'était le début de l'initiative publique, c'est à partir de 2018. La norme a été finalisée d'ailleurs fin 2019, un peu comme le CDGM, contemporain. Et bientôt on pourrait célébrer nos anniversaires ensemble. Et c'est vrai que cette norme, en un an, elle a été l'objet vraiment de discussions assez approfondies, puisqu'il y a des cultures journalistiques différentes, etc. Mais elle crée un dénominateur commun, qui n'est pas le plus petit dénominateur commun, je tiens à préciser, c'est un dénominateur commun assez élevé, assez exigeant, qui fait peser une existence sur le journalisme, et qui porte sur deux dimensions principales, les pratiques au sein de la rédaction, et la transparence de l'identité du média, qui il est, quelle société c'est, quels sont ses revenus, etc. Donc ce référentiel, depuis 2019, il est finalisé. On peut donc, quand on est un média, s'évaluer par rapport à ce référentiel. Il y a une démarche d'auto-évaluation, et à cela se rajoute une autre démarche qui est très classique dans le cadre de la normalisation, c'est celle de la certification, c'est-à-dire que vous apportez des réponses sur les pratiques qu'il y a dans votre rédaction, qui vous aide, etc. Mais en plus, vous avez un auditeur externe qui vient vérifier vos déclarations. Parce qu'on voit bien, l'état de circonstances, comme on connaît malheureusement en France, vous pouvez avoir les plus belles chartes éthiques, si elles ne sont pas appliquées, ça n'a aucun sens. Donc le but, c'est vraiment d'aller vérifier concrètement, avec des visites d'ailleurs in situ désormais, comment ça fonctionne dans les rédactions et qui sont véritablement les médias. Alors, avant de donner la parole à Pascal Doucet-Bon, Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche, que vous faites, vous ? Pourquoi est-ce que vous voulez aller vers la certification pour la photo, pour l'image ? Bien sûr. Alors, en fait, moi, je dois dire que notre sujet de certification, voilà. Est-ce qu'il a allumé ? Vous m'entendez bien ? Ok. En fait, notre sujet de certification est venu un peu par le truchement d'un projet qui était à la base plus économique qu'éditorial, ou même purement économique et pas éditorial. Le point de départ de notre sujet, c'est que on a des amis dans l'agence de presse photographique qui s'appelle Nour, avec lesquels on discute assez souvent. Moi, j'ai été très longtemps à l'agence France Presse où je me suis occupé de la photo d'un point de vue marketing et commercial. Et donc, j'ai assisté petit à petit sur les 15 dernières années à l'effondrement des prix. Et le problème pour la photographie, mais comme pour le journalisme en général, c'est qu'il n'y a pas forcément d'économie d'échelle, parce qu'une fois que vous avez fait votre reportage et que vous êtes revenu à la maison et que vous
vos images sont diffusées, vous ne pouvez pas faire un deuxième reportage pour dire bah, il faudrait que quand même je puisse terminer mes fins de mois. Donc pour vous donner un chiffre qui me semble assez important à avoir en tête, en France on a perdu la moitié de la profession en l'espace de 10 ans, quand on va regarder l'évolution des cartes de presse pour les photojournalistes. Voilà, donc de mémoire, en 2006, je pense qu'il y avait 1500 photojournalistes déclarés comme tels, et en 2016, de mémoire toujours, à peu près 600. Donc il y a un départ de la profession pour tout un tas de raisons. Le premier, c'est que ne pouvant pas arriver jusqu'à à la fin de son mois, on va faire du corpo, comme on dit, du corporate dans la profession des journalistes, et ce qui fait qu'on ne peut plus accéder ensuite à la carte de presse, parce que finalement il y a un écart dans les revenus entre ce qu'on gagne en faisant du photojournalisme pour la presse et ce qu'on va faire en corporate, en allant prendre des photos d'un site, etc. Et donc on s'est dit qu'on voulait mettre en place un label cette fois-ci pour certifier que les médias payaient correctement les journalistes, photographes indépendants ou les agences de presse. Et donc pour mettre en place ce label, finalement, et la solution technologique qui l'apporte, hein, je vais vite parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et on n'est clairement pas là pour ça, mais il y a d'autres sujets chez les journalistes, notamment automatiser certains systèmes qui ne font pas directement partie de la profession d'être un photographe sur le terrain, c'est gérer ses factures, pardon c'est trivial, hein, mais gérer ses factures, gérer son recouvrement avec des médias qui vous payent 3, 6 mois, 1 an de retard. Voilà, donc nous le projet il était là et puis finalement on s'est rendu compte qu'on était en train de monter une base de photos aussi qui était certifiée avec toutes les métadonnées qui étaient certifiées par le photographe et par son agence de presse. Et je passe aussi rapidement, mais il y a énormément de sujets sur les copyrights et la mise en ligne des copyrights et des bons crédits sur le site des médias, parce que tout ça fait quand même, il y a énormément de flou sur la gestion des copyrights. Pour accélérer, donc, je dirais que votre ambition c'est peut-être de tuer le JPEG. Alors effectivement, si on va très loin, nous on pense que finalement, si on fait trois pas en avant, notre sujet c'est qu'on pense que finalement le JPEG fait autant de mal à l'industrie de la photo et de l'image que le MP3 en a fait à l'industrie de la musique. Et le MP4 en a fait à l'industrie de la vidéo et du cinéma, jusqu'à ce que des offres légales se mettent en place. Alors là, sur la photo, on a tout un tas d'offres légales et on a tout un tas d'offres illégales aussi. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est d'essayer de faire en sorte que sur les offres légales, les prix remontent. Je passe parce que ça, c'est vraiment l'aspect vraiment économique de notre projet. Mais finalement, en montant ce réseau de photographes indépendants, d'agences de presse et de médias qui sont volontaires pour essayer de faire en sorte de mieux payer leur contribution aux photojournalistes et aux agences de presse photo, finalement, on était en train de monter une base de données photos qui sont des photos de presse de grande qualité par des grands photographes. Et on est en train de mettre en place un système qui permet de certifier dans une blockchain en fait toutes ces métadonnées, ce qui nous permet de retrouver un visuel. Alors, je ne vais pas avancer de trois pas, je vais avancer juste d'un pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que moi, en tant que lecteur, pourquoi pas du Monde ou de n'importe quel autre média, je puisse sortir mon appareil photo, prendre en photo la photo que je vois et aller directement sur le certificat pour dire « oui, c'est la bonne photo ». Et alors, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, donc à la base, on était vraiment sur une question de gestion un peu interne hein, dans notre métier, dans la profession, des métadonnées, des copyrights, etc. Et puis avec ce qui se passe ces dernières semaines sur l'intelligence artificielle qui est capable, non pas de détourner des photos, mais d'en inventer et qui peuvent être visuellement crédibles, finalement, on se rend compte que notre projet prend une autre dimension aussi, puisque finalement, c'est ça le sujet, c'est que nous, on aimerait que si la photo n'est pas dans notre base à nous, bah, il y a des chances que l'utilisateur, le lecteur final, se dise « Ah, bah, c'est peut-être un faux. Donc je vais continuer mes recherches. » Et on va donc continuer en revenant à la manière qu'on a exposé un peu le paysage. France TV a rejoint JT Digital. Pourquoi ? Écoute, avant de te répondre, je vais juste faire un mini pas de côté. Mais très bref, je te rassure. En fait, ce que vous faites, ça peut se rapprocher d'un autre projet. Micro, s'il vous plaît. Je ne suis pas en face. Ça va mieux, là ? C'est mieux. Ah oui, il est très directionnel. Donc, je disais que ce que tu fais, apparemment, ce que vous faites, c'est assez proche d'une démarche dont tu as peut-être entendu parler, qui est tout aussi européenne, qui s'appelle C2PA, pour la vidéo. Il s'agit ici de marquer les vidéos. C'est une démarche qui concerne le copyright, bien sûr, mais aussi l'arrivée imminente des deepfakes faciles à faire, des deepfakes de Monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde cherche à se prémunir contre ça, et je ne serais pas surpris que peut-être l'année prochaine, aux Assises, on se retrouve sur ces sujets-là. C'est pas moi qui en parlerai, parce que je ne suis pas le spécialiste, mais voilà. Sachez en tout cas que pour l'image vidéo, cette démarche internationale existe,
avec Microsoft, avec la BBC comme leader, avec aussi France Télévisions. Et c'est un travail énorme qui est en cours en ce moment. Voilà. Et sinon, pour répondre à ta question sur le JTI, nous on cherche depuis un moment maintenant, sur la base de discussions géantes avec l'audience, je dis l'audience, c'est un anglicisme, avec le public, pardon, il y a eu des grandes conversations plurimédias. Il y avait West France d'ailleurs dedans, je crois. Il y avait un truc qui s'appelle Médias et Citoyens. C'est pas exactement le. Il n'y a rien à voir avec l'association qui organise les assises, mais c'est un nom très proche. Et donc il y avait des discussions par thème, et là on a compris quand même que les actifs moraux de la presse dite mainstream, hein, c'est devenu un mot presque péjoratif aujourd'hui. Ces actifs moraux étaient parmi les seuls intangibles et restants, étaient vraiment des assets, pour parler anglais, majeurs, et que la confiance d'aujourd'hui, c'est l'audience de demain, clairement, et que il ne nous reste pas grand-chose d'exclusif à part ça, particulièrement pour les services publics. À partir de là, on a cherché donc, à gagner de la confiance ou à la maintenir, parce que celle dans les médias de service public n'est pas mauvaise si on compare au reste de l'Europe. Mais on voit bien quand même que c'est un joyau à préserver, voire à faire progresser. Donc on a cherché de la transparence, on a cherché de la confiance et une alternative à une approche exclusivement contentieuse de la déontologie. Voilà. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui existe ? Et puis il se trouvait que certains vieux sages de chez nous étaient parmi les gens qui avaient porté JTI sur les fonts baptismaux. On a eu un petit flottement pendant lequel on a cessé d'y participer. Puis quand je me suis occupé de la déontologie, j'ai trouvé ce sujet. On s'est lancé dedans. Parce que un label comme ça, il a le mérite de nous obliger à progresser. C'est-à-dire que quand vous répondez à un label comme ça, vous êtes obligé de donner des preuves de votre bon état déontologique. Alors, transparence sur les actionnaires, des choses comme ça, c'est assez facile pour un média comme France Télévisions. Indépendance de la rédaction, déjà, rien que ça, c'est pas si évident, parce que c'est écrit où exactement ? Oui, on a des traditions, on a des syndicats, on a des SDJ, on a la limitation du champ d'action de notre conseil d'administration. Enfin bref, il y a des arguments qui sont relativement solides, mais ils restent finalement assez factuels et oraux. Ils sont couchés nulle part. Et plus on rentre dans les détails prosaïques, je peux le faire après si tu le souhaites, mais quand on rentre dans les détails de la déontologie, on s'aperçoit que, ouais, on a des trous dans la raquette, en particulier dans tout ce qui est écrit. Et on vous laisse ce défi lancé par les auditeurs. Et on peut adhérer à JTI à travers de l'auto-évaluation, c'est ça, c'est ce terme que tu as employé, je crois. Et on peut prendre l'option audit. Mais nous, quand on s'est lancé là-dedans, ça ne nous est pas venu à l'esprit une seconde de ne pas prendre l'option audit. On voulait ce regard extérieur, et je sais que ça bloque pas mal de médias, y compris des médias prestigieux, européens et mondiaux. Mais nous, on voulait ce regard extérieur pour nous obliger à progresser, et tout ça en toute transparence, parce que notre questionnaire, hein, il est public, hein, vous avez trois clics à faire et vous voyez les réponses de France Télévisions à JTI, et on va remettre ça dans pas longtemps, c'est tous les deux ans, n'est-ce pas ? Donc je sais qu'on va remettre ça dans pas longtemps, et je peux vous dire qu'adhérer à JTI, c'est pénible, hein. C'est un sacré truc, hein, parce qu'il y a entre 130 et 140 questions, comme on est maso, on a même suggéré des supplémentaires pour la prochaine fois. Et les auditeurs, en l'occurrence c'était ceux de Deloitte Australia, merci beaucoup d'ailleurs au passage pour le décalage horaire, parce que les réunions c'était à 6h du matin, merci, mais bon, blague à part, il faut prouver tout ce qu'on affirme, et les gars, ils cherchent pas, on les convainc pas, hein, on ne peut que leur prouver des choses. Donc c'est pas une sinécure de répondre à ces labels, en général d'ailleurs c'est valable aussi pour IFCN, International Fact Checking Network, auquel on est aussi adhérent. Et je gage que ce sera aussi le cas pour IFCSN, qui est en gros la petite sœur européenne de IFCN, à laquelle on va aussi lancer le processus d'adhésion d'ici un mois. Alors j'ai envie de poser la question, là, mais qui est légitime ? D'où vient votre légitimité à l'un ou l'autre ?
Est-ce qu'elle est descendue du ciel? Qui vous l'a amenée? Est-ce que vous l'avez donnée vous-même? À l'heure, dans un contexte où les dégâts sont mis en cause généralement. Quelle légitimité vous avez pour dire, voilà, tel ou tel média a fait ceci, a fait cela, nous pensons que c'est bien, c'est pas bien, on est dans la théologie, on n'y est pas. Comment est-ce que vous placez? Nous, on s'appuie sur les chartes de déontologie qui existent. Encore une fois, ce que le CDJM propose, c'est pas contre ce que propose GTI. Ce sont deux démarches qui sont parallèles, finalement. GTI serait a priori, et nous sommes a posteriori, puisque nous allons étudier les faits journalistiques une fois publiés. Alors que d'après ce que je comprends, d'après ce qui vient d'être expliqué, GTI va étudier le média et sa transparence et son équipe rédactionnelle, mais donc avant publication. Donc ce sont vraiment deux démarches parallèles. La légitimité, qu'est-ce que je peux dire? On a d'abord la légitimité de la saisine, on s'appuie sur les chartes de déontologie, et ça va être ça notre légitimité. C'est pas... C'est une légitimité que l'on considère naturelle, puisque nous sommes tripartites. Nous sommes d'abord parce que nous sommes saisis par quelqu'un, donc qui considère qu'on est apte à répondre à leur questionnement. Donc on a également cette légitimité. Alors, je vais reposer la question autrement. Au moment de votre création, fin 2019, il y a eu des gens favorables, il y a eu des gens moins favorables, il y a eu de la polémique, des directions de journaux et des syndicats de journalistes qui ont dit non, oui. Il y a eu ce contexte-là aussi en 2019 avec un gouvernement qui voulait favoriser cette création. Alors, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Il y a eu plusieurs rapports. Le dernier rapport, c'est le rapport d'Emmanuel Hogg, mais il faisait suite à un rapport de Marie Cyrinelli qui avait eu lieu quelques années auparavant. Et encore une fois, la PCP date de 2005. Donc c'est quand même une discussion qu'on a depuis fort longtemps. Le dernier rapport d'Emmanuel Hogg, effectivement, était favorable à la création d'un conseil de presse en disant que c'était aux professionnels à le mettre en place. Donc rien à voir avec le gouvernement. C'est encore une fois, ce sont les professionnels publics, c'est-à-dire les journalistes, les médias et le public, qui ont décidé de créer cette association et de s'emparer de cette question-là. Thibaut Boutin. Et pardon, nous avons des syndicats. Dès l'origine, nous avions le SNJ et nous avions la CFDT, journaliste. Thibaut Boutin. Alors, votre légitimité vient d'où alors? Alors nous, déjà, on ne prétend pas avoir une légitimité sur ce sujet. Hein. Comme on disait, nous, on a la norme, la normalisation, c'est quelque chose qui réunit des professionnels, des parties prenantes, comme on dit, des stakeholders, comme on dit en anglais, et c'est à eux d'établir les critères, le référentiel. Donc ce n'est pas RSF qui a établi le référentiel, nous, on s'est borné à rassembler, à initier, et je suis persuadé, par exemple, que la contribution d'une diversité telle d'acteurs, il y a eu, je sais pas, par exemple, il y avait le syndicat des journalistes coréens, quoi, qui discutait avec le conseil de presse suisse. Donc autant vous dire qu'on avait vraiment une grande, grande diversité d'acteurs, et le fait que tous ces gens se soient réunis donne une légitimité à la question, mais c'est clairement pas RSF qui seul pouvait entreprendre ça. Et pareil pour la certification, RSF n'opère pas la certification, tout au plus nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller voir les médias et les inviter à s'engager dans ce référentiel. Mais la légitimité de la certification du tiers, c'est précisément qu'elle est faite par des professionnels extérieurs, des auditeurs professionnels qui ont pour habitude de travailler avec un sérieux, avec une méthodologie qui est celle qui fait la force d'un secteur économique à part entière, qui est celui de l'audit. Donc, voilà, nous sommes des acteurs qui ont une responsabilité morale vis-à-vis de ce standard. Nous n'en sommes pas les opérateurs au quotidien, et c'est quelque chose qui nous semble d'ailleurs très heureux, puisqu'un système solide, robuste, fonctionne avec des infrastructures et des acteurs qui sont normalement à même de le faire tourner, quoi. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant dans la logique de normalisation. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, je m'adresse à France TV peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'il y a
autorégulation contre autorégulation, pas régulation, autorégulation, l'ARCOM là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas quelques oppositions ou quelques contradictions? Écoute, pour tout te dire, j'ai tardé à confirmer ma participation à cette table ronde, parce que je ne comprenais pas le où. Dans le... Il est marqué le titre? Ah oui, voilà. Il y a marqué le label ou autorégulation, mais moi je ne comprends pas le où. Comme Madame Grosset l'a dit, Kathleen l'a dit, merci. Les deux démarches sont parallèles. De toute façon, la seule différence, c'est que dans le cas de JTI, on a le choix. Mais dans le cas du CDJM, comme l'a dit Kathleen, de toute façon, ils écrivent leurs avis. Hein. Donc, le CDJM s'impose à nous, en fait. JTI, c'est vrai qu'on a une démarche volontaire, mais en même temps, de fait, ça s'impose à nous aussi, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un impératif énorme, parce que nous cherchons le maximum de leviers de confiance. Et donc, oui, c'est vrai, on aurait pu ne pas le faire, mais ça s'est presque imposé à nous, on va dire. Donc je comprends pas très bien, oui, le clivage. Si ce n'est un truc important pour nous, mais ça c'est le point de vue de France Télévisions, c'est pas un point, je ne l'impose à personne et je ne prétendrai pas qu'il est transversal, mais il y a quand même une limite au contentieux. Alors ne prenez pas ce mot sous l'angle juridique, mais la plupart des régulateurs, qu'ils se proclament autorégulateurs ou qu'ils soient des régulateurs administratifs plus ou moins légitimes, en gros, ils s'intéressent à ce qui ne va pas. Kathleen, vous avez dit que l'association qui a précédé s'intéressait aux dérives de l'information. Voilà, c'est nécessaire, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Le problème, c'est que si vous n'avez que des approches comme celle-là, eh bien, lorsque vous lisez les bilans de ces organismes à la fin de l'année, vous avez l'impression que France Télévisions ne fait que des conneries. Or, on produit 70 à 80 heures d'infos télévisées par jour. 260 000 articles web par an. C'est-à-dire quasiment autant, à peine moins qu'un quotidien comme Ouest France, par exemple, qui doit être à 100 000 de plus, je pense. Quelque chose comme ça. C'est considérable. Et les bêtises que nous faisons, parce que nous en faisons, sont quand même très, très, très loin du total. Le taux de chute, s'il fallait inventer un concept comme ça, il est très très faible. Et c'est pas l'impression que donne la succession des polémiques que peuvent susciter certaines décisions de l'ARCOM, par exemple, et la réalité déontologique de nos quartiers. Même si nous sommes les premiers à reconnaître que nous devons nous améliorer. Donc à partir de là, on avait besoin, c'est peut-être le seul domaine dans lequel on pourrait dire tout, c'est on avait besoin d'inverser la charge de la preuve, si j'ose dire. Mais ça n'enlève rien à l'utilité d'organismes de régulation. Après, on peut discuter de la légitimité de chacun d'entre eux. Mais ça, on peut le faire peut-être par ailleurs. Mais voilà, donc, je ne vois pas trop le clivage. Benjamin aussi, Catherine, la joie peut-être. Oui, je voudrais juste répondre très très rapidement. C'est vrai que j'ai dit que l'ODI ont pointé les dérives. Et c'est la raison pour laquelle on a arrêté de faire ce rapport. Parce que finalement, on s'est rendu compte que la majorité de ce qui est publié, la majorité de ce qui est diffusé, c'est de bonne qualité. Et que de ne pointer que ce qui va mal donne une fausse idée. Et c'est pour ça qu'on est passé au CDJM, et c'est pour ça que les saisines auxquelles nous répondons, et les saisines que l'on, quand on dit qu'elles sont recevables, ça ne veut pas dire qu'elles sont fondées. Ça veut dire que oui, on va les étudier. Quel pourcentage de saisines recevables à peu près? De saisine recevable, le quart. Parce que le reste, ça va concerner la ligne éditoriale, et ça, c'est l'apanage des rédactions, évidemment, on n'y touche pas. Et alors, c'est un travail pédagogique que l'on fait en direction du public, parce qu'on explique qu'on ne la retient pas, parce que c'est une ligne éditoriale, et qu'on peut écrire de cette façon-là, et que, enfin, bon, tout ce que l'on fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le CDJM, finalement, a conclu que où l'arrivée du CDJM, c'est justement pour montrer que tout n'est pas noir dans la presse. Et que justement, parce que nous avons beaucoup de saisines qui sont non fondées, et heureusement, c'est bien la preuve que tout n'est pas mauvais. Je voulais juste expliquer qu'on n'était pas que négatif. Benjamin, vous voulez intervenir?
Oui, très rapidement, parce que je suis désolé, je ne vais pas créer de clivage dans cette table ronde, parce que je souscris très largement par ce qui a été dit juste avant, notamment par Pascal. Je crois que c'est Thibault qui, au début de cette table ronde, introduisait la notion de processus et de produit. Et en fait, je crois que c'est là l'articulation qu'on retrouve entre ces deux entités, ces deux institutions, ou ces deux projets, entre finalement un organe qui va essayer de pousser les gens à la transparence, pousser l'organisation à la transparence et au regard sur lui-même. Et puis ensuite, effectivement, le fait que malgré tout, ce qu'on fait puisse être mal perçu ou parfois bien perçu et qu'on a mal fait par le public, et que c'est là que vous intervenez finalement sur le produit final. Et tous ces éléments-là méritent des réponses aujourd'hui, puisque bon, je pense que si on est là, c'est qu'on connaît les chiffres globaux, on ne peut plus parler de manque de confiance hein, vis-à-vis de nos métiers, on peut parler de défiance carrément pour un certain volume du public, un certain nombre de personnes. Et donc là, moi personnellement, je suis persuadé que toutes les initiatives et toutes les bonnes volontés sont à apprendre, hein, vraiment. Parce que le combat n'est pas gagné. Hein. Non, il n'est pas gagné. J'ai envie de poursuivre par une nouvelle question, comme je m'adresse à tous, hein, à tous les quatre. Est-ce qu'on est dans, avec cette certification, cette volonté de certification de l'information, d'une information de qualité, est-ce qu'on n'est pas dans un virage stratégique quand certains médias meurent, quand il y a de la captation de médias en Europe et ailleurs, hein, ou même, on parle des oligarques, on parle de très très grosses entreprises, ou même face à, je pense, à des grandes boutiques comme Google et compagnie. On est dans un virage stratégique. Oui, je voulais justement aborder ce point. Oui, c'est, on a parlé du public, on a parlé des médias, mais en fait, un des éléments qui a déterminé l'action de RSF vis-à-vis de la norme GTI, c'est de se dire, bah, quel signal on va envoyer à ceux qui aujourd'hui dominent une grande partie de l'écosystème économique des médias, que sont les plateformes numériques. Aujourd'hui, quand vous allez voir le patron de Google News, c'est un monsieur charmant, il s'appelle Richard Lindgrass, il a des très beaux cheveux blancs, il vous regarde avec beaucoup d'amitié dans sa cuisine californienne. Mais quand vous lui demandez « Richard, comment je rentre sur Google News ?», il vous dit « la réputation ». Et quand on lui demande ce que c'est que la réputation, il dit « bah, la réputation quoi, enfin, on se sait ». Mais ça ne se sait pas, qu'est-ce que c'est, enfin, l'importance aujourd'hui, c'est d'avoir des systèmes qui sont à la fois transparents, universels, et qui répondent aux besoins des médias. Il y a des tas d'exemples, malheureusement, annuellement, de petits changements qui sont opérés dans les produits médias de certaines plateformes et qui peuvent avoir des incidences économiques fondamentales en termes de découvrabilité, comme on dit, en termes d'accès aux médias. Donc, je prends un exemple auquel j'étais confronté hier. Par exemple, les médias russes, aujourd'hui indépendants, ont été intégralement ou quasi intégralement démonétisés de la plupart des plateformes numériques. C'est-à-dire que vous êtes sur YouTube, vous êtes un média russe qui fait son boulot, qui est indépendant du Kremlin, vous n'avez plus un centime qui arrive. Donc, pour nous, il est important de construire un écosystème des médias qui favorise les meilleures pratiques et dont les signaux qui sont envoyés soient repris par les plateformes numériques. Que si vous vous astreignez, comme le font les médias qui obéissent ou répondent aux avis du CDGM, comme le font les médias qui s'engagent dans la démarche de GTI, il nous paraît important que les signaux qui sont envoyés soient repris par les plateformes numériques. Tu veux dire que certains médias aujourd'hui sont exclus de la table, de toute manière ? Oui, bah, aujourd'hui, en France, on a un système médiatique qui est relativement reconnu à l'échelle internationale. On a des titres de presse qui sont connus, mais en Afrique de l'Ouest, parce que RSF, c'est une organisation internationale, et la GTI a vocation à s'appliquer dans le monde entier, en Afrique de l'Ouest, les rédacteurs en chef, ils attendent toujours que Facebook les rappelle hein, pour s'occuper de leur problème de modération, par exemple. Donc, je pense que le risque aujourd'hui, c'est de créer voilà, une sorte de conflictualité ou des oppositions entre des initiatives qui visent à améliorer la production d'informations, alors qu'en fait, tout cela est très complémentaire et surtout, il est vraiment important d'avoir des standards communs, le plus possible internationalisés, qui permettent de faire face à la demande de celle des géants numériques, qui est une demande parfois légitime. C'est par exemple voilà, le même monsieur Vingas, il vous dit oui, mais moi je travaille dans 200 pays, il faut que je comprenne le contexte en 200 pays et qu'est-ce qui fait un média légitime dans 200 pays. Donc c'est quelque chose de. Tant que la profession n'aura pas pris en charge cette question et n'aura pas trouvé des solutions comme celles que propose la GTI, qui sont des solutions
scalable, qui sont déployables à grande échelle, eh bien malheureusement, on continuera à être dans un domaine vis-à-vis des plateformes numériques, le domaine discrétionnaire, qui a le numéro de téléphone du monsieur chez Google et qui remonte dans les moteurs de recherche. Je ne veux pas paraître simpliste, mais l'enjeu il est vraiment fondamental, puisqu'il y a devant nous un risque de favorisation de certains médias, de disparition d'autres, et puis surtout, ça, vous avez qu'à regarder les auditions de Mark Zuckerberg, par exemple, au Sénat américain, c'est très clair, c'est-à-dire que du moment qu'ils auront sauvé trois types de presse, ils considéreront, les patrons de la Silicon Valley, qu'ils ont sauvé la presse. La diversité de la presse est en jeu, et c'est pour ça qu'il faut des solutions beaucoup plus ambitieuses pour pouvoir répondre au-delà des initiatives individuelles. Pascal, un virage stratégique ? Oui, incontestablement. C'est un grand paradoxe de voir des gens qui recherchent la transparence avec honnêteté chercher à convaincre des plateformes qui, elles, font tout sauf de la transparence. Donc il y a là un paradoxe absolument énorme. Quand j'ai hésité, encore une fois pas longtemps, mais quand j'ai hésité à conseiller à mon patron d'aller dans GTI, il y avait l'idée que peut-être un jour les plateformes pourraient nous pousser, pour parler comme les plus jeunes d'entre vous, c'est à me recommander, parce qu'on aurait ce label. Bon. En fait, quand j'ai voulu convaincre mon patron, je n'ai pas mis ce point. On aurait pu, hein. Je ne l'ai pas mis parce que j'ai considéré qu'on n'était pas loin du vœu pieux. Pardon, Thibault. Je suis désolé. Mais voilà, je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. Mais oui, dans un monde idéal, c'est ce qu'il faudrait obtenir. Nous ne détenons plus les clés des tuyaux. On ne les a jamais détenus, d'ailleurs. Mais disons que nos interlocuteurs, jusqu'à présent, étaient des États. Bon, vous vous souvenez, pour les moins jeunes d'entre vous, de la bataille des radios libres jusqu'à 1981. Voilà, il y avait des États, c'était pas facile hein, pour les radios libres d'exister, mais les règles du jeu étaient simples. Aujourd'hui, on a des acteurs protéiformes, pas transparents. Le numéro de téléphone de M. Google, il est pas facile à trouver, et quand on l'appelle, il répond pas toujours. Et donc le virage stratégique, ouais, il s'impose à nous, mais la vérité c'est qu'on ne sait pas trop où il sort le virage pour l'instant. Kathleen, est-ce que ça vous parle, ce virage stratégique ? Vous êtes peut-être dans une autre démarche. Oui, je crois que ça ne me concerne pas trop. Vraiment, je vais passer mon jour. Benjamin. J'ai l'impression que le virage stratégique il s'impose à nous finalement depuis la sortie d'iPhone. Tout bêtement, depuis que tout le monde peut prendre une photo, prendre une vidéo, ça nous a fait. On a eu un long chemin hein, depuis 2007 avec le journaliste citoyen au départ. On pensait que tout le monde. Donc finalement, les nouvelles technologies, la massification d'Internet, pardon, c'est trivial ce que je suis en train de dire, hein, mais et aujourd'hui l'intelligence artificielle fait qu'on vit un bouleversement et qui s'accélère. Et donc maintenant, oui, c'est effectivement à nous de trouver les réponses, et les réponses sont d'autant plus difficiles à trouver que le régulateur national a peu à dire. On parlait de l'audience, on peut revenir deux secondes là-dessus. Quand vous allez. Si vous allez toujours au kiosque, le kiosque est réglementé. Pluralisme, voilà. Le kiosquier ne choisit pas exactement les titres qu'il va vous présenter. Évidemment, je ne reviens pas sur les lois qui encadrent l'audiovisuel public, les cahiers des charges, etc. En fait, aujourd'hui, pour un site en moyenne, 40% à 60% de son audience vient de Google et des réseaux sociaux. Et ce qui était dit très justement, c'est que finalement l'autorité ou ce qui pondère l'algorithme de Google ou de Google News reste quand même quelque chose de très très mystérieux. Ce qu'on arrive à comprendre, c'est ce qui fait la pondération technique des sites. Donc, par exemple, je sais que si j'optimise le poids de mes images parce que ce qui intéresse Google, finalement, c'est que ses utilisateurs à lui, qui sont nos utilisateurs à nous, nos lecteurs à nous, mais ses utilisateurs à lui, soient satisfaits du chemin qu'ils vont avoir sur nos sites après être passés par Google. Donc il faut que mon site se charge très vite sur un portable parce que bah oui, aujourd'hui on est tous massivement sur des portables. Donc, si je réduis la taille de mes photos, je vais gagner en pondération sur Google et je vais être plus vu, etc. Qualité de l'information, qualité de la photo, pour revenir sur mon sujet qui est présenté, aucun intérêt. L'intérêt c'est qu'elle pèse 10 KO plutôt qu'un méga. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui qui intéresse Google. Donc effectivement, et donc essayer de répliquer nos règles sur le pluralisme à une entité qui se trouve basée
la Silicon Valley, c'est, on est effectivement dans un monde qui est assez vivant. Donc, encore une fois, essayer de faire pression pour arriver avec des normes qui viennent de nous, de la profession, pour dire, en fait, maintenant, vous avez des clés pour mettre en place ceci dans vos algorithmes, des critères nouveaux à ajouter dans vos algorithmes pour qu'on puisse monter à la base, ou en tout cas pour que vous puissiez mieux nous référencer et, voilà, et donner l'impression que la maison est un peu tenue, ça pourrait être pas mal. Avant de passer le micro à la salle, on va essayer d'un peu conclure, de fermer ou d'enclore. Est-ce que, pour rebondir ce que disait Pascal tout à l'heure, est-ce qu'il aurait fallu dire label et autorégulation à la place de label ou autorégulation? Est-ce que le CDJM et JTI, général, pourraient ou peuvent ou vont travailler ensemble aujourd'hui, demain? Je vous pose la question. C'est pas à moi de répondre, mais non. Je vais quand même répondre parce que. Voilà, parce que j'ai le micro exactement comme Google a le tuyau, mais moi j'ai le micro. Non, mais très brièvement, je me fonde juste sur ce qu'a dit Thibault, parce que ça m'a sorti de l'esprit, mais en fait, il y avait des conseils de presse dans les membres producteurs. Donc en fait, il n'y avait pas le CDGM qui n'existait pas à l'époque, mais il y avait des conseils de presse. Tu as parlé du conseil de presse suisse, je crois, qui ressemble beaucoup au CDGM, hein. Donc en fait, voilà, la réponse elle est factuelle, il y a déjà des liens communs. C'est vrai que j'y pensais plus, mais c'est... Encore une fois, il n'y a pas... on n'est pas en guerre avec... Non, j'ai bien compris. On va tous dans la même direction, c'est-à-dire qu'on veut tous une information de qualité et on veut tous regagner la confiance du public. Voilà, on a des chemins parallèles. Il y a le chemin de GTI, il y a le chemin du CDJM, il y a le chemin des conseils de presse. Il y a une centaine de conseils de presse dans le monde. Le premier conseil de presse date de 1916, il était en Suède. Ça existe dans beaucoup, 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 beaucoup de pays. Et ils vont tous dans la même direction. Il n'y a pas d'opposition. Ouais, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé au début quand on a commencé à travailler sur GTI, c'est la complémentarité de toutes ces démarches, et puis aussi de rendre l'autorégulation telle que RSF l'a concevée. À l'origine, on ne pensait pas que le label GTI intéresserait les gens. En tant que tel, ce serait pas on n'avait même pas engagé un graphiste pour faire un logo, quoi. On pensait que c'était vraiment, un peu comme la loi Vichy régule le kiosque, que ce serait quelque chose qui n'avait pas vocation à être fondamentalement voilà, une marque publique. Mais on se rend compte que ça marche. Donc c'est voilà, il y a aussi en avançant dans ces démarches-là, on voit aussi des fonctionnalités nouvelles, des applications nouvelles. Voilà, je parle des journalistes russes, par exemple, à qui on peut rendre énormément de services grâce à GTI, on ne le savait pas. Donc c'est vraiment intéressant de continuer ces démarches-là, même si parfois c'est aride, parfois c'est difficile, il y a de l'opposition, il y a des résistances. Le déploiement de ces outils sera forcément nécessaire pour la survie du journalisme. Et peut-être que l'opposition qu'il y a, c'est celle avec une régulation, qui serait une régulation qui s'imposerait aux acteurs de la presse, qui est souvent une régulation maladroite. On a à RSF pas mal d'exemples. On pourrait faire un livre noir des pires régulations de ces dernières années. Donc pour nous, il est vraiment important qu'on aille dans une démarche d'autorégulation avant tout. La régulation doit être un recours, notamment face aux plateformes numériques, hein, qui cherchent à éviter l'autorégulation. Et pourquoi pas d'ailleurs imaginer quelque chose qui était à la mode il y a quelques années, on en parlait de co-régulation, c'est-à-dire cette idée que voilà, il appartient au pouvoir public d'inviter parfois les parties prenantes à favoriser des solutions d'autorégulation. Mais je pense que vraiment l'autorégulation, c'est une façon de préempter la régulation, que dans des contextes politiques et sociaux un peu explosifs, il peut vraiment être intéressant de jouer la carte de l'autorégulation, qui est une carte peut-être plus pérenne, et qui a pas mal de garanties citoyennes. Oui. Et qui est toujours préférable à la régulation, parce que l'autorégulation, c'est tout de même une régulation des professionnels pour les professionnels. Des questions dans la salle, oui. J'avais une petite question, on parle de la bête justement, et aujourd'hui, moi, je découvre complètement cette auto-évaluation et cette certification à laquelle la France Télévisions participe. Pourquoi aujourd'hui ce label, on a le label rouge pour un certain nombre d'aliments, pourquoi le label n'est pas mis en avant pour justement améliorer la confiance dans les médias publics? C'est le contraire. Comme un tampon d'image. Écoutez, est-ce qu'il faut que je théorise sur l'incapacité de la télévision aujourd'hui à créer l'événement? C'est vrai que quand on voit certaines fictions
les groupes primaires laisser les youtubeurs comme acteurs, juste parce qu'ils ont une communauté, ça fait bien que la télévision a cessé de. En tout cas, a une capacité à créer l'événement moindre. Alors, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas fait assez pour le faire connaître, vous avez certainement raison. Mais enfin, je vous jure qu'on a. On a écrit à toutes les rédacs, on a fait un communiqué de presse. Ma présence dans un événement comme celui-là relève aussi de ça. Bon, voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est compliqué de communiquer sur JTI parce que c'est quand même relativement technique. Vous avez vu qu'on a manié quand même beaucoup de concepts. On n'a pas été très concret d'ailleurs, mais on a pas forcément le temps. Hein, mais on a manié beaucoup de concepts depuis qu'on parle. Hein. Donc c'est compliqué de communiquer sur JTI. Je vous assure qu'on a fait tous les efforts pour le faire. L'AFP, qui a adhéré plus récemment, a aussi fait tous les efforts pour le faire. Mais ça reste globalement une notion B2B, business to business. Alors qu'en fait, c'est une démarche à l'égard du public, mais ça apparaît facialement comme une démarche B2B. Encore une fois, nous, on ne perd jamais une occasion de dire, mais allez sur le site institutionnel de France Télévisions, francetelevisions.fr, et assez facilement, en naviguant dans le site, dont je reconnais qu'il est plus ou moins bien fait, mais enfin, il existe, vous pouvez trouver plein de choses très intéressantes, dont le label JTI, et encore une fois, il est totalement transparent, c'est-à-dire toutes les réponses qu'on a formulées, y compris dans leur imperfection, elles sont là, vous pouvez en juger. Vous pouvez d'ailleurs ne pas être d'accord avec certaines des choses que nous prétendons auprès de l'auditeur. Voilà. On trouve d'ailleurs aussi sur ce site d'autres structures de dialogue avec l'audience, comme par exemple le médiateur de l'information, qui est ici. Là. C'était plus dans la démarche, vous avez mis en avant par exemple une source, qui est une démarche de la rédaction. Pourquoi pas sous ce modèle-là montrer que vous répondez régulièrement à. Avec ces auto-évaluations. Ben, nos sources, par exemple, c'est aussi l'avantage d'un label comme JTI, c'est qu'il est évidemment évolutif, et encore une fois, je ne l'oppose pas au CDJM qui peut être tout aussi évolutif. Par exemple, que. Alors, on a lancé nos sources avant d'adhérer à JTI. En fait, ça aboutit parallèlement, mais en fait, j'avais lancé nos sources avant, après juste après Média et Citoyens, qui date de l'automne 2018. Donc, le grand chat avec l'audience. Donc, du coup, mais je pense que si nous n'avions pas lancé nos sources, d'une certaine manière, marginalement, c'est une question qui ne veut pas formuler exactement comme ça, mais on aurait été questionné en tout cas sur la traçabilité de nos sources. Et comme maintenant on est adhérent du label, nous faisons des propositions, et celle-là on l'a formulée déjà dès le début, pour que justement la traçabilité des sources soit une question supplémentaire. Parce que tous les membres, en fait, peuvent faire des propositions. Parce que c'est quelque chose de vivant, en fait. Voilà. Il était même question à un moment qu'on audite d'autres médias, je crois, éventuellement. Je ne sais pas si c'est ça. C'est pas notre intention, en tout cas, mais voilà, donc c'est évolutif. Après, oui, pour la publicité autour de JTI, c'est pas très facile de communiquer sur JTI. C'est vraiment un truc de boulot. Vous avez certainement des intérêts dans le travail journalistique, vous, c'est pour ça que vous êtes là, mais... ou un intérêt intellectuel, tout simplement, mais bon, c'est pas évident d'intéresser le grand public à ça. Voilà. Thibault et Benjamin, Benjamin avait demandé la parole d'abord, non ? Oui, en fait, j'ai une question. Micro. Excusez-moi, j'ai une question pour mes confrères, finalement. C'est parce que nous, on a pensé au logo qui apparaîtra aux yeux du grand public. Il n'est pas encore visible, donc je ne sais pas encore du tout comment projeter sur la perception. De futurs lecteurs qui tomberont sur ce logo, etc. Et qui pourront se dire, tiens, bah, là, ça va orienter mon niveau de confiance. Et je me demandais si, vous, dans vos institutions respectives, est-ce que vous avez déjà des retours, des études, même informelles, sur la perception du public et un rapport à la confiance, un retour, quelque chose à nous dire là-dessus, entre le public et les médias que vous représentez, ou vous représentez de manière plus directe ou indirecte. Bah alors, moi, RSF, je suis connu parce que je suis dans les zones les moins risquées du monde. Je vais beaucoup en Norvège, en Suède, en Finlande. Là-bas, il y a des conseils de presse, par exemple, qui sont particulièrement puissants et respectés. Et quand vous ouvrez les journaux en Finlande, je crois, vous avez un petit logo en bas de l'ours de chacun des journaux qui dit « ce journal est autorégulé via un conseil de presse », etc. Donc, quand on demande à des journalistes finlandais ce qu'ils en pensent, ils trouvent ça super. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans l'âge de la défiance dans lequel on est en France, ça ne marcherait peut-être pas aussi bien. J'aimerais que ça marche, je trouve ça super, qu'il suffise de mettre un logo pour que les gens soient rassurés sur l'autorégulation. Mais moi, sur votre point, le travail que France Télévisions peut faire est fondamental pour promouvoir la JTI, mais il y a un effet de nombre qui est très important. Moi, très vite, quand on a commencé à lancer la JTI, je suis allé voir les gens qui ont
pour le logo Max Havelaar, vous voyez. Parce qu'en fait, nous, on est en train de faire une sorte de Max Havelaar du journalisme, hein, c'est pareil. Hein, Max Havelaar, ça ne vous dit pas que le chocolat, il est bon, mais au moins, vous savez comment il est fait. Ben, nous, c'est ce qu'on fait. Et donc, l'effet de reconnaissance du public à l'égard d'un logo comme Max Havelaar, il est lié au nombre de produits sur lesquels il est. Donc, c'est pour ça que le combat, c'est aussi vraiment un combat pour avoir de plus en plus de médias qui souscrivent aux différentes clauses, parce que c'est là que ça se joue, que ce soit vis-à-vis des plateformes, comme vous l'avez compris, c'est un grand sujet d'inquiétude, mais également vis-à-vis du public, puisque plus le public sera confronté à des médias présentant le label, plus la confiance, normalement, dans le label devrait s'élever. Catherine ? Alors, on parlait de confiance, et encore une fois, nos démarches sont complémentaires, mais ça serait même un signe de confiance supplémentaire, je pense, si dans le questionnaire de GTI, il y avait la question, est-ce que vous êtes membre d'un conseil de presse ? Ça y est déjà. Ça y est déjà. Oui, c'est déjà dans les 140 questions. Ah oui, c'est une question... Oui, mais c'est pas obligatoire, quoi. Je veux dire, c'est pas un critère Il y a une note, donc si vous ne l'atteignez pas, vous n'êtes pas légal. Donc ça, après, bon, voilà. C'est une note. Ouais, sur ce point, quand même. Il y a deux questions. Donc c'est bon. Il y avait cette question. Oui, ok. Oui, bonjour. Alors, comme Pascal a parlé de moi, je m'appelle Jérôme Catala, je suis le médiateur de France Télévisions. Bonjour tout le monde. J'avais un point de vue et une question. Le point de vue, c'est qu'effectivement, dans des entreprises comme France Télévisions, il y a 3000 façons d'avoir une info qui est vérifiée a posteriori. Donc on a le médiateur, donc tout le monde nous envoie, et sans se priver, le public nous envoie des tas de messages toujours hyper sympathiques. Donc vous êtes des salauds de mélenchonistes ou des enfoirés de macronistes, pour aller vite. Donc voilà, on a plein de messages sympas donc qui effectivement nous obligent à nous questionner et à questionner ceux qui utilisent l'information. Donc ça c'est tous les jours, on en fait une émission qui va sur France 2, sur France 3 et sur France Info Télé. Donc voilà, vraiment on est en échange perpétuel avec nos publics. On a en interne aussi, on a parlé à la loi Bloche ce matin, un comité d'éthique qui est complètement indépendant de personnalités qui ne sont absolument pas de France Télévisions. Et qui peuvent être saisis aussi par toute personne le souhaitant. On a évidemment l'ARCOM qui surveille. Pardonne-moi. Pardon. Il est saisi souvent ? Il est, oui, il est saisi régulièrement. Il est saisi régulièrement. La dernière fois, je n'en suis pas membre. Hein, donc, c'est très faible. Ah, ben oui, bien sûr. C'est. Ils sont très précis. Très franchement, je n'en fais pas partie par définition parce que c'est indépendant. Et donc, je ne sais pas exactement combien ils ont de saisies, mais ils en ont. Il y en a une récemment sur un magazine d'investigation de France Télévisions. Donc, il y en a, effectivement. Alors, ça s'ajoute à l'ensemble des choses qui, effectivement, contrôlent d'une certaine façon. Si ça n'a pas d'activité, vous mettez toujours en avant les comités d'éthique, je suis désolé. Mais leur activité réelle, elle est quand même douteuse. Enfin, je veux dire, c'est quand la dernière fois que le comité d'éthique de France Télévisions a rendu un avis en expliquant que les journalistes n'avaient pas respecté la déontologie. Au contraire, l'avaient respecté. Peut-être qu'ils l'ont respecté, en fait. Ne soyons pas négatifs. Donc, il n'y a jamais eu, le comité d'éthique n'a jamais pris position en disant qu'il y a eu un problème avec le traitement. Cher ami, n'opposons pas votre CDJM et le comité d'éthique qui est une obligation de la loi Bloche. Ça suffit, on a comité d'éthique. Je n'ai absolument pas dit ça. Alors, cher ami, je n'ai pas dit ça. Donc, il faut. Ne traduisez pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a plusieurs choses qui nous obligent à France Télévisions à rendre des comptes a posteriori, et non pas a priori. Je n'ai pas dit que c'était merveilleux et parfait, j'ai dit qu'il en existait plein. Et avant de vous parler de ça, je disais qu'il y avait aussi l'ARCOM qui, parce que dans l'audiovisuel, nous avons une instance de régulation administrative qui est l'ARCOM, ce qui n'est pas le cas de la presse écrite. Donc, on a énormément de choses. Est-ce suffisant ou pas ? C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y en a déjà pas mal. Ça, c'est mon premier point de vue. J'avais juste une question. Et la question, c'est Max Havelaar. Je veux dire par là qu'on parle d'une certification sur la photo, et c'est un point hyper important. Un autre sur l'image, et puis il y a le Journalist Trust Initiative. Est-ce que ça ne serait pas bien d'avoir, pardon, c'est peut-être un peu naïf, hein,
mais un seul label, une seule certification, autrement ça ne sera jamais Max Avelard. Donc comment faire pour que l'ensemble, et non seulement pas au niveau français, hein, au niveau minimum européen, il n'y ait qu'une seule forme de label ou de certification. Avant que Thibaut réponde, puisque encore une fois c'est lui qui a le micro. Non, très brièvement, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a clairement une compétition entre labels, hein, faut voir, on va pas se mentir. Pas tellement avec JTI d'ailleurs, mais entre IFCSN et IFCN. IFCN, c'est une initiative du Poynter Institute aux États-Unis. EFCSN, c'est une initiative européenne de pure player du fact-checking. Beaucoup de petites entreprises qui ont besoin justement de ce genre de label pour être certifiées, qui ont parfois des difficultés dans leur pays. Hein. La démocratie illibérale, n'est-ce pas? Nous qui sommes des cibles de choix pour ces labels, parce qu'ils veulent évidemment nous avoir dans leur escarcelle, évidemment, en général, ils nous disent beaucoup de mal des labels d'à côté. C'est à peu près constant. Et oui, bien sûr, il faut prendre garde à ce qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'ils vont se bouffer les uns les autres. Bon, on n'en est quand même pas là pour l'instant, hein, mais oui, le risque existe, le risque théorique existe. Oui, et aujourd'hui, à vrai dire, dans le domaine strict dans lequel s'inscrit la GCL, c'est sur les processus au sein des rédactions, il y a deux compétiteurs principaux. Il y en a un qui s'appelle le Trust Project, qui est un projet qui a été lancé par Facebook, qui est soutenu par une partie des plateformes, qui réunit un tout petit groupe de rédactions, moins de 50. Et de l'autre côté, une entreprise qui s'appelle NewsGuard, qui, elle, est dans une optique de contrôle externe, c'est-à-dire que pas de contrôle externe au sens d'un auditeur qui arrive chez vous, mais dans le sens de « je regarde de l'extérieur quels sont les processus qui sont affichés par la rédaction ». Donc nous sommes désireux de nous rapprocher de ces différentes initiatives parce qu'on est effectivement conscient du fait qu'il faut structurer le secteur. Après, j'ai sciemment peut-être orienté là, ma réponse en dépeignant les concurrents d'un jour trop sombre. Mais c'est vrai que pour RSF, il est hors de question que la GTL se rapproche trop des plateformes, puisqu'il s'agit en quelque sorte de garder une saine distance. Et par ailleurs, nous sommes dans une démarche qui est philanthropique. Donc il est vraiment fondamental aussi de se tenir à l'écart de tout le système. Et on a parlé de la certification, c'est déjà quelque chose qui est coûteux. Et je rappelle que cette certification n'est pas faite par RSF. Donc on a à cœur de garder les coûts très bas. Et une des conditions, à notre sens, de tout ça, c'est de rester dans le domaine de la philanthropie. Une petite dernière question, Isabelle. Bonjour, alors moi je suis journaliste depuis très longtemps et je fais désormais d'éducation aux médias à haute dose. Il me semble qu'il y a un truc qui définit un peu notre profession de journaliste, c'est la responsabilité devant le public. C'est à peu près ça vraiment qui fait le distinguo. En tout cas, dans toutes les interventions d'éducation aux médias, un des derniers critères, c'est voyez, là au moins il y a des mentions légales. Voyez, là au moins c'est signé. Là, vous voyez, vous pouvez demander des comptes. Et désormais, il y a une instance d'autorégulation. Alors, je fais partie du CDJM, mais le CDJM est encore suffisamment récent pour qu'une fois dit ça de façon transparente, les motivations qui m'y ont poussé à le soutenir depuis des années, c'est bien que ça soit... L'avantage, c'est qu'on rend des comptes devant le public. Un label, la question, c'est... Il y en a deux, c'est comment expliquer que tous les médias qui ont à cœur la fiabilité de l'info, renouer le lien avec la population en recréant les conditions de la confiance et donc être capable de répondre à chacun, à toute mise en cause par le public directement, par ce conseil de déontologie qui est encore une fois ouvert au public. Comment ça se fait que les rédactions, les éditeurs ne leur éjoignent pas plus davantage? Et la deuxième question, c'est que vous venez de le dire, un label, s'il y en a plusieurs, les gens s'y paument. Et rien que le label de Twitter avec le petit logo bleu, maintenant que Twitter, l'indépendance de Twitter est mise en cause, ça ne devient plus rien. Et dernière chose, le Nutri-Score, il y a plein de gens qui sont contre-fiches et qui continuent à malbouffer. Mais la vigilance à l'égard de la dérive d'un label, JTI est vigilant pour nous certifier ou ne plus nous certifier. C'est normal, donc tous les deux ans, je le disais, mais nous, je peux absolument le dire avant de vous quitter, c'est qu'il faut aussi que les médias qui adhèrent à JTI et aux autres labels soient vigilants sur l'éventuelle dérive de ce label. Moi, je suis désolé, si demain, je pense que ce ne sera pas le cas, mais si demain la chaîne
de soi-disant service public russe, en fait une chaîne d'État, label label, on se trouve du service escient. Donc la vigilance, elle va dans tous les sens. On connaît tous, pour avoir fait des enquêtes dessus d'ailleurs, la dérive de certains labels environnementaux, nutritionnels, etc. Encore une fois, c'est vivant un label. C'est pas une fois pour toutes, quoi. Peut-être que, enfin je ne souhaite pas, et je ne pense pas que ça arrivera, mais peut-être que dans 10 ans, JTI sera critiqué ici pour avoir été dévoyé, je ne sais pas. C'est une matière, encore une fois, c'est une matière vivante. Quoi. Donc, mais oui, la vigilance, elle est nécessaire dans les deux sens. Pourquoi cette instance d'autorégulation ne séduit pas davantage ? Qu'elle est ouverte, démocratique, transparente, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est bien, quoi. Mais je ne comprends pas trop la question, ne séduit pas davantage. Nous, on répond au CDGM. Non, mais pourquoi vous ne participez pas ? Non, on n'adhère pas. On n'adhère pas parce que, contrairement à ce que vous avez l'impression de dire. Là, contrairement à l'impression que vous me laissez, pardon, on est déjà très régulé. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Vous oubliez quand même une dimension importante qui est super importante chez nous, c'est quand même qu'on est une société des journalistes, même plusieurs, qui sont très puissantes, qui sont très très bien élus, avec un taux de participation énorme. On a des syndicats qui sont très puissants, et plusieurs syndicats, contrairement au CDGM qui n'en a que deux, d'accord. Il n'a pas échappé qu'il n'y avait que la CFDT et le CFJ, voilà. Ou la CGT par exemple, ou FO, c'est déjà une remarque qu'on pourrait faire. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on n'adhère pas au CFDGM. Mais où est la différence ? Puisqu'on lui répond, et de manière très circonstanciée, y compris avec tout ce que ça implique de travail. Pardon, je vais être un peu vulgaire, hein, mais les ETP, vous savez qu'on a que ça dans la tête, là, et on nous impose ça. On met du monde pour répondre. On met du monde, et c'est du temps homme, et on le fait avec beaucoup de sérieux. Et nous regardons, je regarde les décisions du CDJN, puisque il se trouve que je suis cotisant, à titre personnel. Et donc je regarde toutes les saisines, et nous avons pris nos décisions de répondre, par exemple, dans les délais avec le plus grand sérieux au CDJN, parce que nous avons constaté, au bout d'un an, et ensuite l'année suivante, que les décisions sont super sérieuses, que le travail, il y a beaucoup de travail fait, on le voit dans les avis qui sont donnés, même quand ils sont défavorables à France Télévisions. De tous les régulateurs, le CDJM est le meilleur. Moi, j'ai pas de problème à le dire, mais il a un problème pour nous, télévision. Je ne dirais pas la même chose si je venais de la presse écrite. Mais pour nous, télévision, il a un gros problème, c'est qu'il arrive après les autres, chronologiquement. Et nous, on est déjà super régulés, quoi. Et je vous assure que c'est une pression énorme, et c'est une pression qui n'est pas toujours honnête. Est-ce que vraiment la façon dont le comité de visite de France Télévisions est saisi aujourd'hui relève vraiment de la loi Bloche, qui était là pour protéger les rédactions de ses actionnaires? Vous ne trouvez pas que c'est... Alors, on a un peu débordé, parce que je vous pose la question quand même, parce que vous avez posé une question. Les rapports du comité d'éthique, que je ne défends pas, vous avez compris que c'est pas ma cam, le rapport du comité d'éthique, il est public, hein, ils produisent un truc chaque année. Le nombre de saisines et le nombre d'avis, je crois que c'est de l'ordre de 3 ou 4 par an, à tout casser. Voilà. Et puis, après, on peut être plus ou moins satisfait. Mais on peut discuter à l'envi, si vous voulez, de la légitimité de chacun des régulateurs. Moi, ce que je dis, c'est que s'il n'y a que des régulateurs, alors on a un trou dans la raquette, d'où notre adhésion à JTI. Mais encore une fois, elle n'est pas en contradiction. Quoi. Voilà. Alors, on va fermer ce débat là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Il y a un autre débat qui s'ouvre dans le grand auditorium et qui va commencer le sondage qui parle de la profession, l'utilité du journalisme. Merci.